Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de ce qui se passe avec le projet Arca. Si vous êtes un investisseur, vous devez regarder cette analyse-là jusqu'à la fin. C'est important. Nous allons aussi parler du fondateur de Coinbase qui avait déjà pris une décision. Mais cette décision, nous allons l'analyser ensemble ici. Nous allons parler de, voilà, du processeur de paiement, de paiement Mastercard. Oui. Qui essaie d'accélérer l'adoption dans l'écosystème de la blockchain et avec des propositions à l'appui. Nous allons parler aussi de PayPal. Alors donc, si après avoir écouté tout cela, tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi rapidement. Alors, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Comme vous le savez très bien, avant de commencer la vidéo, je vais vous parler de l'échangeur CoinEx. Les gars, vous savez, il ne faut jamais avoir un seul et unique échangeur. Ayez plusieurs échangeurs, oui. Vous savez, les échangeurs, c'est des lieux qui nous permettent d'acheter et de vendre nos crypto-monnaies. Et CoinEx est en train d'organiser une promotion en ce moment. La promotion, c'est quoi? C'est toutes les personnes qui vont s'inscrire récemment, toutes les personnes qui vont s'inscrire maintenant pourront bénéficier de 5 dollars. Oui, si tu n'as pas encore créé ton compte, tu peux aller créer ton compte et bénéficier de 5 dollars. La promotion s'étend jusqu'au... Jusqu'au 4 du mois prochain. D'accord? Jusqu'au 4 du mois prochain. Alors donc, profitez-en les gars. Et CoinEx nous montre, nous fait certains tutoriels. Tutoriel sur le dépôt CoinEx. Tutoriel, comment déposer l'argent avec la carte bancaire. Si tu as une carte bancaire, d'accord? Comment faire le trading sur CoinEx? Comment faire les transactions, le swap? Parce que tu peux faire le swap sans utiliser l'échangeur en quelque sorte. Et les tutoriels sur le trading futur sur CoinEx et d'autres services de CoinEx. Donc, pour les débutants, comment activer le 2FA et comment vérifier votre identité? Parce que quand vous êtes sur l'échangeur centralisé, de préférence, pour avoir plus d'avantages, faites votre KYC. Ça aide beaucoup. Comment faire le trading, le trading spot? Comment faire le trading futur? Et inviter les amis pour avoir des récompenses et bien d'autres choses. Ils ont même un leur crypto-bloc qu'on appelle le CT. C'est le jeton de gaz de la plateforme. Donc pensez-y, si vous n'avez pas encore un compte sur l'échangeur CoinEx, pensez-y, allez créer votre compte et profitez des avantages que vous offre CoinEx. Alors donc, vous vous inscrivez avec le lien qui se trouve juste en description de la vidéo. Et apparemment, vous pouvez faire un dépôt en crypto-monnaie, achat, voilà. Et après, vous allez faire le trading. Mais toutes les personnes qui vont créer l'offre, et à débuter est limité aux nouveaux arrivants, uniquement ceux qui n'ont pas encore un compte sur CoinEx. Alors donc profitez de l'occasion. Alors sans plus tarder, pour commencer la vidéo, nous allons parler rapidement de la situation actuelle du marché. Mes frères et sœurs, nous voyons un peu que le marché de la crypto-monnaie, attention, le marché de la crypto-monnaie est tantôt dans un petit bain de sang et tantôt après on voit un petit verre, tantôt... Non mais nous sommes dans un jeu de passe-passe et dans ce jeu de passe-passe, plusieurs personnes, je dis bien, plusieurs personnes sont en train d'être liquidées, les gars. C'est ça la vérité. Plusieurs personnes sont en train d'être liquidées. Donc, quand nous voyons ceux qui sont en train d'être liquidés, les gars, c'est énorme. C'est énorme. La liquidation qui se passe, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu, les gars. Ce n'est pas du jeu. Certes, on voit pendant ces 24 heures, je parle d'hier et d'avant-hier, en quelque sorte, pendant ces 24 heures, 60 millions qui ont été, voilà, d'impositions qui ont été liquidées. Mais en ce moment, les traders ne savent pas où aller. Ils vont aller, voilà, sur le long ou sur le short, surtout ceux qui font les trading futurs. Franchement, donc, beaucoup de prudence. Les crypto-monnaies, ce n'est pas camarade de quelqu'un, ce n'est pas le champ de cacao de nos parents. Donc, on peut se lever voir le bitcoin qui fait fois combien ou comme qui peut faire diviser par combien. Alors, à tout moment, préparez votre mindset pour recevoir la situation du marché qui se présentera à vous. C'est en ce sens-là que nous, ceux qui sont membres VIP, nous allons organiser une chat voice aujourd'hui, comme vous le voyez, aujourd'hui, à 20h GMT, samedi, d'accord, à 20h GMT. Donc, pour nous préparer plus face à ce genre de situation. Alors, pour commencer la vidéo, nous allons commencer avec cette information rapidement, une fois de plus. Nous voyons, le gars là, mais franchement, il n'a même pas de cheveux. Mais c'est un grand frère, mais on va faire comment? Brian, le CEO de Coinbase. Le CEO de Coinbase nous dit clairement qu'il
avait déjà demandé l'autorisation à la SEC, je crois bien, dans un accord, dans un document de la SEC américaine, pour divulguer, qui a été divulgué le 27 de voilà, la dernière fois, pour vendre 2% de ses actions afin d'investir dans, voilà, dans la médecine, dans la, voilà, nos pesquises, dans les recherches scientifiques et dans qui se retrouve dans le domaine de la médecine. Donc, cela ne veut pas dire, les gars, cela ne veut pas dire que quand il vend ses actions, il sort. Non, quand il vend ses actions, certes, il va vendre 2% de ses actions de l'échangeur, mais il détient encore une grande quantité. Donc, en fait, il veut nous dire simplement que eux, ils font les choses dans la légalité, ils sont clean, clean, clean. Tout ce qu'ils font, c'est nickel, nickel, nickel. Or, nous tous, nous savons que bon, ce n'est pas souvent ça aussi, hein. Ce n'est pas souvent ça aussi. Donc, il n'y a pas de panique à se faire. Je dis bien, il n'y a pas de panique à se faire. Si le CEO de Coinbase a décidé de vendre ses actions pour investir dans la, voilà, dans la science et dans la médecine, il n'y a pas de problème. C'est son choix. Donc, mais on nous dit que c'est ce qu'il a décidé de faire. Alors, donc, bonne chance à lui. Mais il n'a pas encore dit qu'il va démissionner de Coinbase. Il n'a pas dit ça. Attention, il n'a pas dit ça. Donc, ici on dit, ne tournons pas l'information. Non, il a juste vendu une partie pour financer quelque chose qui le tient à cœur. C'est tout. Donc, comme moi aussi, j'ai envie de faire certaines choses. Donc, je vends ce que j'ai pour faire ce que je veux faire. C'est tout. Vous comprenez? Donc, c'est en ce sens-là. Deuxième information, rapidement, comme vous les aimez si tant sur ces chaînes, c'est cette information. Oui, Venmo, je crois bien, Venmo. Qu'est-ce qui se passe? PayPal, nous savons que PayPal permet aux ressortissants américains, je crois dans ce sens-là, de pouvoir acheter et vendre les crypto-monnaies sur sa plateforme. Et je crois bien de cela 2 ans déjà, 2 ans de cela déjà. Mais il y avait une revendication qui avait eu lieu parce que les gens ne pouvaient pas enlever leurs crypto-monnaies qu'ils ont achetées sur PayPal vers un wallet externe. C'est-à-dire que vers un autre wallet, surtout, je ne veux pas acheter les crypto-monnaies sur PayPal et envoyer ça vers un autre wallet. Exemple, voilà, comme Trust Wallet, Exodus Atomic Wallet, voilà, SafePal, Coinomi, tout cela, je ne pouvais pas. Mais maintenant, ils sont en train de vouloir permettre cette option-là, que ceux qui achètent sur PayPal puisse, en ce sens-là, retirer vers les wallets externes. Et nous savons que Venmo, c'est, voilà, Venmo, je crois que c'est une société américaine qui se retrouve déjà dans l'écosystème de la crypto-monnaie et PayPal fait union avec eux afin de pouvoir inclure les wallets externes à PayPal, aux clients de PayPal. Donc, ça veut dire simplement que quoi? Aujourd'hui, comme PayPal peut-être n'a pas encore le pouvoir, n'a pas encore les mains fortes, je dis bien les mains fortes, pour faire face aux régulateurs financiers américains, ils vont trouver ceux qui sont déjà dedans, ils vont faire un partenariat afin de lier, s'unir pour mieux avancer. Oui. Donc, vous voyez que PayPal aujourd'hui est en train de s'adapter. On nous dit que ça pourrait être dans le mois de juin, que cela pourrait être fait. Donc, cela pourrait être fait. Donc, vous voyez combien de fois il y a certains acteurs dans notre écosystème qui cherchent les voies et moyens pour, voilà, pas contourner, mais pour satisfaire leurs clients. Et avec cela, il y aura 60 millions de clients qui seront touchés. Les gars, 60 millions. Non, mais c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Imaginez si c'est ces 60 millions-là. Chacun achète 1000 dollars. Bon, j'exagère, 1000 dollars. Ou bien la moitié, 30 millions de clients achètent 1000 dollars de Bitcoin. Imaginez-vous où ira le Bitcoin. Et nous savons très bien que le Bitcoin est une monnaie qui est limitée. Je rappelle ça toujours dans mes vidéos. Est une monnaie qui est limitée. C'est-à-dire que ce n'est pas comme l'argent papier où on va imprimer à chaque fois qu'on sent qu'il y a besoin. Non. Ici, il y a 21 millions de Bitcoin. Point barre. Actuellement, il y a déjà 19 millions qui sont déjà en circulation. Point barre. Il reste encore 2 millions. Point final. Voilà. C'était le point barre. Point, maintenant, c'est le point final. Alors, donc, vous avez compris cela. Et maintenant, venons-en sur cette information, celle-ci.
Les gars, cette information, ça nous prouve clairement que l'adoption est en train d'arriver. Oui, je ne sais pas comment vous voyez cette information, je vais vous expliquer rapidement pour que vous puissiez comprendre. On nous dit que Mastercard veut faire l'expansion de son programme de cartes à plusieurs, je dis bien, à plusieurs partenaires qui sont ces échangeurs. Mastercard aujourd'hui veut travailler avec les échangeurs. Parce qu'ils savent que sur les échangeurs, c'est là-bas que les gens achètent et vendent les crypto-monnaies. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de vouloir plus de partenaires. Ils ont déjà beaucoup de partenaires. Les gars, Mastercard, c'est le processeur de paiement qui a déjà beaucoup de partenaires dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et la plupart des cartes qui se retrouvent, les cartes physiques comme virtuelles, bancaires, qui se retrouvent dans le système bancaire, liant les crypto-monnaies, sont de la marque Mastercard. D'accord? Et nous sommes en train de voir une chose. Mastercard est une compagnie américaine, d'accord, qui se retrouve dans la technologie des paiements en ligne. Et mieux encore, elle a déjà 3 milliards de cartes qui sont déjà disponibles dans le monde entier et qui sont acceptées dans 90 boutiques, magasins, etc. Les gars, c'est énorme. Et maintenant, ils veulent peut-être doubler ou tripler ce chiffre-là. Ils ont déjà 3 milliards de cartes en circulation, liant certaines banques, liant ici, Y, mais ils veulent faire encore plus. Ça veut dire simplement que c'est l'adoption qui est en train d'arriver lentement et sûrement, les gars. L'adoption est en train d'arriver. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir cela. En tout cas, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est très clair comme de l'eau de roche. Donc, l'adoption est en train d'arriver lentement et sûrement. Lentement et sûrement. Donc, quand vous voyez ça, vous dites non, mais c'est pas possible. Et il ne s'arrête pas là, les gars. Mastercard ne s'arrête pas là. Mastercard nous dit encore. Non, mais les gars, ils sont terribles. Hein? Ils disent qu'ils sont en partenariat avec Polygon. Et Polygon et Solana ont fait de mettre en place un système. Hein? Un système bien costaud dans la blockchain, les gars. Au-delà de l'adoption, ils veulent la sécurité, les gars. Ouais, comme des fois, c'est intéressant. Au-delà de l'adoption, les gens de Mastercard veulent aussi la sécurité. C'est pourquoi la marque Visa va perdre vis-à-vis de la marque Mastercard. Parce que Mastercard, aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. Visa, aujourd'hui, c'est... Bon, en tout cas, moi, j'ai une carte Visa, mais j'ai toujours ça. Est-ce que j'ai une fois utilisé ça? J'utilise plus la carte Mastercard. Oui, parce qu'elle a plus d'avantages. Donc, on va faire la promotion de Mastercard ici maintenant. Oui, parce que ceux qui font, ceux qui nous aident à nous adapter, à évoluer dans notre question des crypto-monnaies, on va les aider aussi à évoluer dans leur business. Alors, on va parler maintenant rapidement de Raka, les gars. Oui, plusieurs personnes ont demandé de faire encore un petit revue sur le projet Raka. Et je vais vous envoyer encore ce petit revue pour que vous puissiez comprendre. Vous savez, Raka d'abord est dans le projet collection NFT, Gamify, surtout Metaverse et Play to Earn. Raka n'est pas un meme coin. Raka est un projet. D'accord? Et quand d'abord nous allons voir ici que Raka a déjà 67% qui sont en circulation. Hein, il reste encore plus de la moitié des gens en circulation. Mais ils n'ont pas de mécanisme de burn à ce que je sache pour le moment. Même si non. Ce n'est pas si actif, d'accord? Et regardons rapidement le smart contract de Raka. J'ai remarqué quelque chose, je vais partager avec vous. D'habitude, on voit le nombre d'adresses qui augmente sur les autres projets. Mais au niveau de Raka, durant quelques temps, nous sommes en train de voir que les gens sont en train plutôt de sortir. Oui, les gens sont plutôt de sortir du 14. Du 14 février. Nous avons vu qu'il y avait 453 015 adresses qui holdaient Raka. Donc les gens sont en train de faire quoi? Sortir. C'est-à-dire qu'ils sont en train peut-être de changer leur Raka. Parce que Raka est un token, n'est pas encore un coin. Ils sont en train de changer leur Raka. Peut-être sur d'autres blockchains, je ne sais pas. Mais peut-être ils sont en train de vendre et sortir du projet. Donc, ce qui fait que la courbe des personnes qui hold Raka ne fait que chuter parce que les gens sont en train de vendre. Les gens ont perdu peut-être espérance, espoir. Les gars, je vais vous dire une chose. Chaque projet crypto-monnaie a son beau diable. En fait, c'est ça la vérité. C'est-à-dire que a ses problèmes. Chaque projet crypto-là a ses problèmes. Mais il y a certains projets crypto
Face au problème, ils préfèrent fermer les portes et partir. Mais il y a certains, face au problème, ils veulent affronter le problème. Ils veulent trouver encore des voies et moyens. Et ce projet-là, on va juste les encourager parce que ce n'est pas facile. Donc, vous voyez un peu que le racard, ça ne cesse de diminuer. Hein, le nombre de holders, les gens sont en train de sortir du projet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous allons aller rapidement sur leur compte Twitter. Vous allez voir aussi quelque chose. Nous savons très bien, nous allons aller sur leur site rapidement. Raka a reçu un investissement récemment de DFW. Oui, une société. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu. Raka est en partenariat avec plusieurs projets dans l'écosystème du métaverse, etc. Oui, Raka a reçu 30 millions de dollars de façon stratégique. Au début de ce mois, je crois bien. Mais malgré cela, nous n'avons pas vu l'impulsion du prix. Parce qu'ils ne sont pas là, peut-être, je suppose, ils ne veulent pas juste faire du pompe et du dump. Peut-être qu'ils vont prendre l'argent là pour consolider leur écosystème. Et quand vous allez dans leur partie Metaverse, vous allez voir qu'ils ont déjà l'écosystème prêt. Ils ont déjà l'écosystème prêt au niveau de leur Metaverse. Donc, ça veut dire que beaucoup de choses se font déjà. Hein, beaucoup de choses se font, mais lentement, peut-être pas comme les investisseurs le veulent. Mais les gars, c'est la réalité qui fait face. Donc tu peux te connecter comme tu peux connecter ton wallet, tu peux connecter ton truc pour commencer par jouer. Hein, pour commencer par jouer, vous voyez. Donc c'est déjà presque disponible. Et aussi, nous savons très bien que le projet Raka se retrouve dans l'écosystème du métaverse. Oh, aujourd'hui, ce n'est plus le métaverse qui fait feu. C'est l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez un peu, non? Donc, c'est l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, vous pouvez jouer, tu vois, non? Tu peux jouer, donc, voilà, dans le métaverse, etc. Vous voyez, donc, bon, les gars font de leur mieux. Hein? Les gars font de leur mieux. Hein? Bon, je ne sais pas. Mais le projet, pour ceux qui disent que le projet est mort, ce n'est pas encore mort. En tout cas, à ce que moi, je vois, ce n'est pas encore mort. Et ils sont maintenant en train de vouloir avancer dans quoi? Plus dans le web 3.0. Bon, les gars, ce n'est pas facile. Comme je dis, ce n'est pas facile de piloter un projet crypto. Il y a des jeux qui sont en train de lancer et bien d'autres choses. Donc, Raka, nous sommes en train de voir ici aussi que, au niveau du métavers dans la blockchain Binance Smart Chain, voilà, Raka est après Baby Doge, on voit Raka et après on va Focus sur moi. Maintenant, Focus doit dépasser Raka hein, dans ce rang-là. Et on voit toujours Raka aussi dans le projet Metaverse. Toujours dans le Metaverse. Raka se trouve toujours dans le projet Metaverse. Bon, espérons le meilleur. Mais toutefois, en nous préparant au pire parce que les crypto-monnaies, nous savons comment ça fonctionne. Nous savons tous comment ça fonctionne. Alors donc, pour vous dire simplement, Raka, nous sommes en train aussi de voir. Je vais faire la petite analyse rapidement pour que vous puissiez comprendre aussi. Raka est déjà listé sur certains grands chargeurs comme KuCoin, comme Get, OKX, Bybit. Donc Raka est déjà sur certains top échangeurs. On va regarder ce top échangeur-là. Déjà, elle est déjà sur KuCoin, top 4. Elle est déjà sur Bybit, top 6. OKX, top 7. Bitfinex, top 8. Et top 9. Et quoi peut-être Get Monty. Donc ça veut dire simplement que Raka aujourd'hui ne parle plus du listing. Peut-être elle a déjà donné toute son énergie pour le listing, mais aucun projet crypto-monnaie ne dira que non, le listing est fini. Non, il y a souvent des portes qui s'ouvrent et peut-être Raka peut nous surprendre. Nous sommes en train de voir le prix de Raka en dents de scie et les gens se découragent pour vendre en perte. Bam. Il faut savoir quel type d'argent vous investissez dans les crypto-monnaies. Pour ceux qui veulent se former, pour mieux comprendre, venez cliquer sur le premier lien qui se trouve en dessous de la vidéo afin qu'on vous aide à vous former. C'est important la formation dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et mieux encore, si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi rapidement. On se dit à la prochaine vidéo. Et ciao!